How enjoyable was it making this record in comparison to the other two albums? I really liked making this record because Leon had brought in Homer Steinweiss and Nick Movshon, legends, and they worked on the entire album. And then we had other friends come in. What's their background? Were they Dap Kings? No, Homer was, and Nick and Homer both played on Back to Black. Wow. And Leon was in the Dap Kings as well. So their background is insane, and they've worked on so many amazing records as a group, individually. Like, the three of them have been working together. They've been friends since they were like 13. So entering their sphere was awesome because they have this very symbiotic relationship where they can just play immediately and they know what the next person is doing, and they just talk about it for 5 seconds and then it's beautiful and done. But this record was so performance-based because every song was recorded live, I guess. Watching a band bring my songs to life or watching them come up with something was incredible. There's something to be said about demo-itis, I think, isn't there? There's just the magic that you sometimes capture the first time you switch on a microphone and you sing or play into it that yeah. you can't ever replicate. No, and I actually think that these songs ended up being very similar to the demos, which I was like very happy with, because it was really cool to just make something and be like, it's awesome. Psh, move on. Put it on the album. Yeah. And then just do it again. Do it again. I'm so proud of this record. I never thought I would make a record like this. I'm just so stoked. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcera, et aujourd'hui une très belle, je pense encore ça sera encore un autre coup de cœur de 2024 encore que j'ai eu la chance de découvrir. Je pense pas, c'est pas mon frère qui m'a envoyé, il m'a envoyé un peu le truc dans mon WhatsApp, un peu je suis parti prendre le temps de l'écouter et tout. Et Clairo, franchement, c'est le premier album que je suis d'elle. Elle en a déjà trois, c'est une jeune femme de 22 ans qui a déjà trois albums, c'est son troisième album en fait, et a réussi à sortir déjà trois albums, et j'ai vraiment vraiment apprécié cet album là, c'est vraiment un album, un des plus bels albums aussi de 2024 et tout. Et ce que j'aime beaucoup aussi là-dedans, c'est la manière dont elle a travaillé avec, pour moi, une sorte de légende un peu de la musique américaine contemporaine, un peu de ces 15-20 dernières années, qui est Leon Michels. Leon Michels est celui qui a été le producteur principal de cet album-là. Leon Michels, un peu, comme vous l'avez pu le voir un peu sur la mini-intro que j'ai fait, Leon Michels, un peu, c'est cet artiste-là qui avait créé un des fondateurs de Sharon et les Dap Kings, et aussi ce fabuleux groupe que j'avais découvert grâce à Wannabe Basquiat, là, Mena Street Band, si vous rappelez un peu de ce son-ci. Wannabe Basquiat avait samplé là-dedans, et un très bel album d'ailleurs, Mena Street Band, qu'il avait fondé aussi. Et Leon Michels, qui est un producteur incroyable, qui avait travaillé aussi, si je ne me trompe pas, dans beaucoup de projets. Il avait, je pense aussi, Aloe Black, là. Je pense Aloe Black aussi, c'était lui. Allo Black, ici, c'était lui. Là. Il avait fait énormément de choses. C'est vraiment un personnage très important de la musique. Un gars qui a été aussi un collaborateur qui avait refait la résurrection aussi de la carrière de Charles Bradley, et aussi quelqu'un qui avait fait les trucs avec les, comment il s'appelle, les cocos là, les Black Keys aussi. Bon, franchement, un artiste incroyable que j'aime énormément, un peu le style musical qu'il a, qui est très inspiré un peu de la soul,
pop un peu des années 70. Et c'est ça qui me revient un peu à cet album-là. Cet album-là me rappelle vraiment un peu, pas forcément la soul pop un peu, ça me rappelle un peu la Blue Eye Soul un peu des années 70 un peu, qui a été un peu fait un peu par des groupes un peu comme le Carpenters. Beaucoup l'influence des Beach Boys et beaucoup aussi l'influence aussi des Harry Nilsson. Je sais pas si vous, vous connaissez un peu, pour moi c'est l'un des grands musicien contemporain des années 60-70 un peu, avec la musique pop un peu que moi je kiffe américaine, la musique pop un peu anglo-saxonne que je kiffe beaucoup vient de ces personnages là les mecs comme Harry Nilsson, les mecs comme les Beach Boys, les mecs un peu comme aussi Todd Rundgren un peu. Ça m'a poussé même encore de repartir encore sur les albums de Todd Rundgren un peu là, si vous voyez même dans mon mix que j'ai fait dernièrement là, et tout, c'est pour ça que vous avez vu un peu des références un peu avec Todd Rundgren un peu. Ça m'a repoussé un peu à repartir écouter encore Todd Rundgren encore. Je fera un sujet aussi sur un album de Todd Rundgren aussi, qui est un artiste incroyable. Et Clairo, à 22 ans, faire un tel album, avec une telle maturité et tout, ça m'a bluffé. Je l'ai suivi la semaine dernière, tout le temps. Et c'est vraiment, vraiment un album que je vous conseille à l'écouter par rapport un peu à la structure de trucs. Je suis vraiment impatient de voir un peu... trajectoire de la carrière de cette femme. Je n'ai pas encore suivi les deux premiers albums qu'elle a fait. Je vais essayer de le suivre aussi pour pouvoir aussi donner un peu un mini avis. Elle est vraiment une artiste incroyable. Elle est vraiment quelqu'un qui ramène un peu au goût du jour un type de son qui n'est pas forcément populaire. Populaire un peu, c'est vraiment, je dis, ça me rappelle vraiment un peu les délits de Blue Eye Soul des années 60-70. La Blue Eye Soul, c'est quoi? C'est un peu de la musique soul fait par des blancs. C'est un peu comme ça qu'on appelle la musique soul, même si je peux pas réduire ça, il y a beaucoup d'autres influences par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment l'impact du producteur qu'elle a travaillé là, qui est Leon Michels, qui est un incroyable producteur et tout. Je vous ferai un tout petit sujet aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dont j'ai à parler, je peux pas parler de tout en même temps. Mais s'il y a bien un petit mini coup de cœur que je vous proposerai d'aller écouter, c'est franchement ce fabuleux album de Clairo Charm. Et j'essaierai de faire un peu aussi les sujets sur ces deux premiers albums aussi, que je n'ai pas eu le temps de suivre, qui était passé complètement sous mes radars. C'est une fabuleuse artiste. Et souvent, c'est ça qui est triste un peu avec ce genre de personnes-là. C'est des gens que soit tu les retrouves sur Bandcamp, soit ils auront souvent un succès d'estime. Mais c'est toujours bien de voir des jeunes personnes de 21, 22 ans. C'est pour ça que j'aime les Gen Z. Hein. Et dans la génération des Gen Z, il y a beaucoup ça chez les Gen Z. Les Gen Z, ce sont les gars qui sont fascinés par... Il y a plein de jeunes Gen Z qui sont fascinés par un passé qu'ils n'ont pas connu. Un passé qu'ils n'ont pas connu, qui étudient ce passé-là et qui créent parfois des musiques vraiment incroyables. J'ai toujours dit, la génération des Gen Z, là, les gens aiment souvent les insulter et autres et tout. Je dis non, les Gen Z, là, ils sont plus intéressants parfois. Comme pour moi, plus intéressants que les millennials. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.